Et l'invité de RTL Soir est l'écrivain Guillaume Musso que je ne vous ferai pas l'injure de présenter plus avant. Guillaume Musso, bonsoir. Bonsoir. Bernard, Merci d'être là à tous. Merci Alors quelques chiffres phénomènes en ce qui vous concerne quand même. Hein. 13 romans. Celui-ci est le dernier, l'instant présent, qui est sorti chez XO Édition. Euh, vous êtes traduit dans 40 pays. Vous avez 40 ans. Ça tombe oui. bien. Quand vous en aurez 50, ça fait 50 pays. 22 millions d'exemplaires vendus, plus 11 millions de pochettes. Bon, donc tout va bien pour vous en termes d'écrivain. Parlons-nous, parlons un petit peu de celui-ci. C'est quoi le pitch Le pitch, c'est qu'on est en 1991 et on a un, un jeune médecin urgentiste qui, qui s'appelle Arthur, dont le père est, est mourant. Hein. Son, son, hein, voilà, hein. voilà. son, son père débarque... On est en Amérique, On est à Boston. Et son père débarque un matin et il lui dit voilà, bon, j'en je, je, ai plus pour longtemps et ton, ton seul héritage sera, euh, sera un phare. Alors c'est un phare qui qui existe dans la famille depuis, depuis longtemps. Accessoirement, c'est un phare que vous connaissez. Et puisque oui, c'est en louant ce absolument. phare que vous avez eu l'idée de oui, Absolument. Hein, si voilà. bon. Et donc, il, il, il amène dans ce, ce fameux phare, 24 phare à Cap code et, et il lui dit Voilà, ton, ton héritage sera le phare, mais à deux conditions. La première, c'est que le phare ne sorte jamais de la famille et tu n'ouvres jamais la porte de la voilà. cave. Et là, la, la deuxième, il amène dans la cave et derrière un, un mur en, en briques, il y a une porte métallique. Il lui dit Tu ne dois jamais ouvrir la, la porte. Et bien sûr, bien sûr, il ouvre la tentation est trop grande. Il l'ouvre et ce qu'il va trouver derrière va faire que sa vie va être bouleversée à tout jamais. Alors, il faut pas en dire plus, très oui, je pense aussi. Il faut pas, il faut oui, pas. mais oui. il faut quand même que les gens sachent qu'une fois qu'il a ouvert la porte, on on entre dans un peu le monde du fantastique. Oui, on entre dans une dimension effectivement euh, plus euh, surnaturelle, mais au sens euh, euh, voilà, tel, tel que le définissait euh, Todorov. C'est-à-dire ce moment de latence où vous ne savez plus tellement si ce qui vous arrive va avoir une explication rationnelle ou pas. Alors... Je dois vous dire, Guillaume Musso, que moi j'aime bien le fantastique. Ouais, donc ça ouais, va, il n'y a pas ouais, de problème. Ouais. Mais je connais beaucoup plus de gens qui n'aiment pas que, que des <laughs> gens qui aiment. Absolument. Et vous, peut-être, vous, vous, vous n'avez enfin, peut pas peur de les rebuter. Mais non, j'ai toujours fait des, des livres hybrides où mmh. jusqu'à la dernière page, on ne sait pas finalement si ce qu'on a lu est bien véritablement ce qu'on a lu. Est-ce qu'il va y avoir une, une explication rationnelle ou pas euh, Donc j'aime bien cet, cet état en fait. D'indétermination, et lorsque les gens la voilà, pénètrent dans mes, mes romans, je me dis voilà, je, je, ils ne savent pas vers où on va, on reste sur un, un genre qui est qui est à la croisée entre le, le polar, le surnaturel, le thriller. Alors, je précise et... que là, en plus, le scénario est en boucle, très bien verrouillé, et que la fin est très surprenante, et on n'en dit pas plus. Oui, point barre. Oui, Ok, oui. alors vous voyez, j'ai mis un post-it, oui à la page 353. Donc voilà, parce que cette phrase-là, quand il faudrait quand même qu'on puisse développer. L'écriture dit oui, euh, votre héros n'est pas faite pour guérir. Il est tout bide, hein, je précise le héros. Oui, oui. L'écriture, ça fait mal, ça ronge, ça obsède. Oui. Alors, quand on s'appelle Guillaume Musso, qu'on vend des millions de bouquins, on se dit, il charrie quand même, parce que peut-être qu'il pense à lui. C'est vrai Est-ce est... que vous souffrez oui, oui, vous, vous connaissez la fameuse phrase d'Anaïs Nin euh, J'adore avoir écrit, je déteste écrire. Et c'est tout le paradoxe. L'écriture, c'est le remède et le mal. Et c'est euh, quelque chose de formidable. Et c'est quelque chose de très solitaire. Et, et en ce qui vous concerne, c'est un processus lent mais quotidien. Oui, un voilà. peu mais chaque jour. Mais oui, ça. Y a toujours un, les, les gens me disent ah, ⁇ tu sors un, un livre par an, tu dois écrire super vite ⁇ Et je dis ⁇ non, au contraire, je suis très besogneux, j'écris lentement, simplement, j'écris tous les jours de l'année et j'écris beaucoup. Toujours à la même fois ?⁇ Oui, j ai, j ai, ça, oui de, de me mettre des, des contacts. Je, je n'aime pas l'oisiveté, toujours un côté... Euh, Culpabilisant. Et, et, y a... parce qu'on se dit, il doit être très riche, il pourrait prendre des vacances éternelles avec sa femme et son ouais, petit enfant de mais 18 en mois. Corse, votre passion, vous n'aimez pas les vacances. J'aime les vacances pour aller en repérage, pour que ça me donne des idées pour des, des romans pour le futurs. Voilà. Et il y a quelques années, ma femme me, me, me disait Mais tu te rends compte que tu, tu passes 15 heures par jour avec euh, euh, des êtres de papier dans ouais. un univers. Euh, Imaginaire et que tu passes plus de temps dans un monde qui n'existe pas que dans la réalité avec moi. Et ça, cette phrase est restée un petit peu en, en germe et, et finalement elle, elle se retrouve à, à la fin du, du roman. C'est l'une des clés aussi du, du roman. Alors Guillaume Musso, il euh, y, y a des confrères qui n'aiment pas ce que vous écrivez et il y en a un quand même qui n'aime pas vos livres, mais qui dit ouais. quand même. Guillaume Musso, il est formidable parce qu'il a amené à la lecture des gens qui avaient presque définitivement vendu leur âme aux écrans. Ouais, Et c'est vrai, c'est aussi, extraordinaire, une, de mes, aussi une de mes fiertés parce que moi j'ai toujours assumé. Je suis un rappeur d'histoire. Voilà, voilà le, le plus beau des compliments qu'on puisse me faire, c'est lorsqu'on me dit euh, à cause de vous ce matin, j'ai loupé ma rame ram de, de métro parce voilà. que j'étais euh, plongé là-dedans. J'étais plongé. Voilà. Et, et donc, euh, oui, il y a cette idée de, de passeur de culture. Je crois toujours qu'un livre en amène un autre. Moi, je suis, je suis fils de bibliothécaire, donc j'ai toujours eu une vision de la culture très large. Ma mère me, me disait euh, Lis euh, Balzac et Proust, mais lis euh, Barjavel et Stephen King, oui. et va voir euh, Kieslowski, mais va voir aussi euh, les bronzés. Donc, il oui. y, y, y avait cette la, la culture large. envisagée comme gourmandise. Euh, et donc oui, je suis, je, suis, je suis très fier moi de. de... Moi, pour, pour, pour moi, un, un, bon, un bon livre, c'est un livre qui, qui rend heureux celui qui le lit. C'est un livre qu'on a hâte de retrouver euh, le soir lorsqu'on rentre chez soi. Et euh, comme dit joliment euh, Joël Dicker, c'est un livre qu'on regrette d'avoir terminé. Eh bien, Écoutez, c'est sans doute exactement la définition de celui-là. En tout cas, Merci. je vous le souhaite. Merci. 400 000 exemplaires, un hein. premier tirage. Il y en aura peut-être un deuxième. Guillaume Musso, l'instant présent, paru chez Ixo Éditions. Et je précise quand même que vous n'êtes plus professeur depuis non. seulement deux ans. Depuis sept ans. Ah, il y a une erreur dans ma ah, documentation, non. désolé. <laughs> J'avais vu deux ans, enfin c'est quand même pas mal. Hein, Je suis resté dix ans. Vous avez oui, été prof oui, d'économie oui, quand même oui, là-bas dans le sud de la France, oui, oui, tout en vrai. faisant des livres qui se vendaient à des millions d'exemplaires. En travaillant le soir de 21h à 4h du matin. Ah quand même. Ah. Ouais. <laughs> Guillaume Musso, invité de RTL merci. Soir, merci infiniment. Je vous souhaite un très bon week-end. C'est très gentil. Merci beaucoup.